Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait un masque de Cthulhu et on vise un jet full perf, en fait 2% critique. J'ai mini perf dans l'objectif, mais on va prendre du full perf plutôt. On a 88 depuis. Plus 3 en fait, pardon. Hop. 91. Bon, bah la vita troll déjà. Ça, c'est un peu terrible, on va voir comment on gère ça assez vite. Oh bah oui, pile moins 6. Oh, c'est parfait en vrai. En vrai, il y a un monde où je spam pas vie. Hop. La petite pod. Ah, je vous ai dit, si on fait les choses bien. Allez, la rafo, une fois. Deux fois, moins 20. On récupère l'over ici. Le petit cri de sagesse. Moins 9. Nice. Allez, allez. Bon. On a moins 30. Et il reste 7. Écoutez, on va juste mettre le PA et la petite rune. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 90 bits depuis. Allez, il nous faut le moins 6 vita. On y croit, moins 10. Moins 6, please, moins 6, please. Alors. Terrible. Ah les amis, je veux du perf pour rien, donc en fait on va juste... Ou alors... Non, je peux tenter un 3% crit, parce que là l'idée c'est qu'on peut mettre une transe 2% crit là-dessus, et il me faudrait du full perf. On va bourriner, hein, je pense. Hein. Ok. En vrai, je peux tenter le moins 6, moins 11 ou alors y aller à la pod. Allez. Ah! Là, je peux faire ça. Regardez. Le beau jeu. On a moins 8. Et là, hop. Oh, c'est sérieux, ça me refait ça. Je peux pas mettre ma passe. Terrible. Allez, le moins 10, please. Ok. Donc c'est normal, hein. Ça c'est un truc que j'avais étudié récemment. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'en avais parlé. En fait, quand vous faites un over, pour voir si ça peut passer, le jeu, en fait, il prend en compte le poids de l'over. Enfin, il prend en compte... En fait, il y a une règle sur deux... Je refais. Il y a une règle sur deux fus qui fait... Enfin, sur la forge de magie, qui fait que vous ne pouvez pas avoir en poids cumulé d'over plus exo plus de 101. Mais le truc, c'est que quand vous passez la rune, en fait, pour savoir si ça peut passer ou pas, ça prend en compte l'exo plus over déjà présent sur l'item, plus la valeur totale de la ligne sur laquelle vous voulez faire l'over. Donc là, ça prenait en compte les 31 de sagesse plus le verbeta, donc ça passait pas. Alors que pourtant, le G qu'on cherchait à atteindre est atteignable. Donc c'est codé comme ça, écoutez, on va pas en parler plus. C'est normal, c'est connu, je sais que ça fait ça, mais c'est hyper chiant. Ok, donc on a la rafo maintenant, moins 10. On a 30, il faudrait vraiment que la sagesse passe direct, moins 9. On va enlever ça à la prospe, je pense. Si je la trouve. Ah, j'ai pas pris de prospe. Ok, on va y aller du coup. J'avais pas pris de l'appâhage. Je me disais bien. Hop là. Petite pâhage. Qui ne passe pas le Dotaire. Moins 5. Bon, il reste 8, mais on n'en fera rien du tout. Est-ce qu'on a le PA, les amis? On n'a pas le PA. 97 depuis. Quel plaisir de casser le PA en arrivant au G-Max de sagesse. Ça, c'est toujours quelque chose qui me fait beaucoup d'effet. On va go ravi. Oh, le crit. Allez, il me faut le moins 10. Je vais presque le mettre, en fait, à l'arrêt fixe, mais pas à récri. Ah, le moins 11, non! Dur. Mais alors là, je suis abattu. Bon. Que faire? En vrai, on va m'arrebooter la vita, hein, je pense. Moins 20, il me faut moins 49. Je peux y aller comme ça. Moins 26, ok, parfait. Il me faut moins 10 et une pod.
Et vous pourrez pas dire que je vais pas chercher les tentas full perf. Hein. Vraiment, je m'applique. Hein. Là, c'est une masterclass full perf. Hein. Moins 10. En vrai, il reste 60. Est-ce qu'on tenterait pas d'avoir un petit 3% crit? Entre nous. Entre nous. Allez, pour le beau jeu. Ah. Est-ce qu'on a le PA, les amis? On a le PA. Alors, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je suis embêté, en vrai, mais... Bon, le meilleur truc que j'ai à faire, c'est de casser le pourcent crit. La question, c'est comment je le casse. Moi, j'aurais bien vu un petit 3%. Hein. Là, l'idée, c'est de casser le 2% crit pour... ouais, rune soin, on me dit, c'est une très, très bonne suggestion. J'aurais été tenté de tenter un crit en fait de pourcent de dommages mêlés, ce qui aurait été full opti. Mais je pense que le soin c'est le meilleur call. Bon, évidemment, j'ai pas mes runes soin. Là, j'ai le problème en ce moment d'avoir trop de runes par rapport à mes pods, et donc je suis obligé, je peux pas tout prendre d'un coup. Mais voilà, on va juste prendre les soins. Hop, on va y aller aux soins, c'est le plus safe. Mais bon, j'ai pas de regret d'avoir tenté. Hein. Bon, y a une toute petite possibilité que ça me flingue mon gir en essayant de baisser l'over. Mais en principe, voilà, je voulais tenter le beau jeu et me dire il y a peut-être un monde où je fais un 3%. Parce que le truc, c'est le 2% on l'a avec la rune trans en fait. Donc, allez. C'est ici. Bon, elle est belle. Hein. Elle est belle. Allez, le rune soin, il faut pas que ça fasse nimp. Et c'est là que je lâche mon meilleur cri de soin. Parfait. Et la petite rune de trans, du coup, 2%. Bon, bah c'est magnifique. Vous verrez à quel point, là, sur les 3 tentats qu'on a eu, je suis à chaque fois allé chercher le full perf, alors que j'avais des congruences qui n'étaient pas évidentes. Ça, bah écoutez, c'est du tryhard forge magie. Je prévois aussi de vous cataloguer toutes les petites techniques qui existent pour aller chercher du full perf à chaque fois. Voilà, écoutez les amis, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc ça ira du coup sur un Yopter PVP dans un premier temps, peut-être aussi sur un Ujinakter en mode full dégâts de TR2 crit, en alternance avec la coiffe de Torkelonia que j'utilise actuellement, pour pouvoir passer en co-culte, enlever l'ocre, et gagner un emplacement de trophée pour un pre-tech ou un truc comme ça. Voilà, bon, j'avais besoin d'avoir cet item propre dans mon stuff. Il est fait, il est magnifique, et je pourrais le cocher sur ma to-do list. Donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, et à bientôt. Petit bonus, repassage PO sur l'amulette Valet Vénard d'un abonné qui fait comme moi du double puits PA-PO, donc le PA est passé. Est-ce qu'on a le PO sur ce moins de sagesse 4% R? On a le PO! Eh ben écoutez, je suis bien content pour lui. Très très bel item, hein, vraiment très très bel item. Bon, ça se fait souvent en hein, des colliers Valet Vénard 4%, mais bon là c'en est un joli. Et c'est très propre. Bravo à lui!